Bien, un exercice écrit, ou bien deux exercices, exercice écrit, les phrases sont-elles au présent, ou bien au passé, ou bien au futur? Premièrement, l'athlète s'entraîne chaque matin. Alors, nous avons le verbe s'entraîne au présent, donc la phrase elle est au présent. Tu assisteras au match dimanche dernier. Nous avons assistera, c'est le futur. Pourquoi? Parce que le marqueur temporel dimanche prochain, il exprime le futur. Donc, la phrase elle est au futur. Nous avons couru ensemble la semaine dernière. Alors, nous avons passé composé. Pourquoi? Parce qu'il y a un marqueur temporel qui exprime le passé. Donc, c'est le passé composé. Sous les meilleurs, seuls les meilleurs gagneront la médaille. C'est le futur. Nous avons gagneront et exprime le futur. Recopie seulement les phrases qui sont au présent. Maintenant, je vais à la salle des pelotes, des sports. Maintenant, c'est un marqueur temporel qui exprime le présent. Donc, la phrase est au présent. Nous partirons, c'est le futur. Il n'a pas vu, c'est le passé composé. Les spectateurs applaudissent. C'est le présent, le verbe applaudir.